Bonjour, je suis Emeline Verna, je suis enseignante-chercheure à l'université d'Aix-Marseille et ma spécialité est l'anthropologie biologique. Particulièrement, j'ai une spécificité sur les conflits récents du 19e et du 20e siècle. Donc, l'anthropologie biologique, finalement, c'est l'étude des restes humains, donc depuis l'arrivée de l'homme sur Terre, pour connaître tout ce qui l'entoure d'un point de vue biologique et culturel. En 2014, suite à des travaux d'aménagement au fort, des ossements ont été découverts. Et donc nous avons été mis en relation avec le service archéologique du Grand Est, avec qui nous collaborons depuis plusieurs années sur ce type de découverte, et notamment les restes mortels de soldats. C'est pour ça que notre équipe a été contactée pour intervenir et aider à la fouille de ces soldats. Moi, j'ai fait la partie laboratoire, mais mes collègues sont intervenus dès le terrain pour dégager donc les corps de soldats et pour pouvoir ensuite les analyser en laboratoire pour raconter un petit peu leur histoire. Donc, tout d'abord, on est sur l'aspect terrain. Donc, on utilise les outils qu'utilisent donc les archéologues pour fouiller des sépultures. Donc, on est sur de la fouille assez fine à partir du moment où on arrive sur les restes de soldats. On dégage les ossements pour essayer de trouver la position du soldat, de savoir s'il a été enterré sur le dos, sur le côté ou sur le ventre, et s'il y a avec lui des objets de l'équipement, des vestes, des chaussures ou des objets personnels pour essayer d'aller le plus loin possible. Donc une fois qu'on a bien tout photographié les ossements sur le terrain, on va les prélever et on va les emmener donc en laboratoire. À partir de ce moment-là, on va les laver les ossements pour pouvoir ensuite les étudier. L'étude qui consiste en anthropologie biologique, donc c'est estimer le sexe, l'âge et la taille de ces individus. Et ensuite, toutes les particularités, donc les pathologies, que ce soit des traumatismes ou des pathologies, par exemple l'arthrose, qui est bien connue, ou l'état bucco-dentaire, de savoir s'il avait des caries ou ce genre de choses. Donc c'est pour vraiment essayer de le caractériser au mieux et de donner, par exemple, quelqu'un qui a entre 25 et 30 ans et qui faisait 1m80. Ces trois soldats sont bien donc des soldats français. Nous avons pu, à partir des restes vestimentaires, savoir que c'était des chasseurs à pied. Nous avons pu observer chacun de ces individus. Certains avaient des objets personnels associés, comme une médaille pieuse ou une alliance. Nous avons pu aussi les caractériser. Nous avions trois individus, un individu assez jeune, autour de la majorité, on a un individu un petit peu plus vieux, entre 25 et 35 ans, et on a un individu finalement qui va être plutôt sur la fourchette haute, et donc entre 30 et 49 ans. Il y avait une plaque d'identité mais illisible, donc nous n'avons pas pu aller jusqu'à l'identification de ces soldats. C'est toujours compliqué de savoir exactement de quoi ils sont morts. On est en temps de guerre, donc on se doute qu'ils sont morts sur le champ de bataille. En revanche, c'est assez difficile à caractériser au niveau du squelette. Donc vous pouvez retrouver des traumatismes. En général, c'est des choses qui sont assez rapides suite à un impact de balle ou à un impact d'obus. Vous allez avoir des cassures sur les os, mais nous n'arriverons jamais à dire exactement de quoi ils sont morts. Ils ont probablement donc été inhumés par les frères d'armes, donc près du fort, lors d'une offensive importante. Ils ont été inhumés ensemble, les trois côte à côte, probablement peut-être sur une sépulture provisoire, mais là il est assez difficile de savoir parce qu'aucun élément de signalement n'a été retrouvé au moment de la fouille. Donc il est assez dur de savoir exactement les raisons de l'inhumation à un tel emplacement. Ces découvertes, on en fait, donc ce n'est pas un quotidien, mais ces découvertes de soldats au niveau des Français, on est sur entre 25 et 40 par an. C'est de la découverte fortuite. Alors un individu ou plusieurs, ça dépend des localités, mais on n'est pas sûr de la découverte qui nous arrive toutes les semaines.
À l'heure actuelle, sur le front occidental, donc on est sur 700 km de front au moment de 14-18. On est encore sur 650 000 disparus, toutes nationalités confondues, et autour de 250 000 Français. Le côté émotionnel est forcément présent. On est quand même sur des restes qui sont assez récents. On est sur une histoire qui est prégnante et que l'on connaît tous. Mmh. On a souvent dans nos familles des grands-pères ou des grands-oncles qui ont été engagés dans la Grande Guerre. Donc forcément, vous avez une partie émotionnelle importante. Après, il faut aussi détacher le travail, qui est notre travail quotidien, et donc d'exhumer ces corps avec tout le respect possible que l'on peut avoir vis-à-vis de restes mortels. Au moment de la découverte, on reste professionnel. Après, bien évidemment, lorsque vous associez du matériel, des éléments personnels, on parlait de l'alliance par exemple, forcément vous avez un côté émotionnel qui vient. Et quand vous racontez l'histoire du soldat, que vous arrivez à retrouver les familles, vous avez ce moment qui est aussi intéressant et qui fait partie de la mémoire individuelle, mais aussi de la mémoire collective. Et c'est des moments qui sont vraiment importants à raconter. Alors, c'est des pouilles à partir du moment où on retrouve des restes de soldats. Donc, c'est l'Office national des combattants et des victimes de guerre qui sont informés. Et une fois l'étude réalisée, ils sont remis donc, aux autorités de l'ONAC pour être inhumés dans la nécropole nationale la plus proche du lieu de découverte. C'est a priori ce qui est arrivé à ces trois soldats qui ont été inhumés donc, en tant que soldats inconnus dans la nécropole nationale avec ses frères d'armes.